Le fait que je libère ma main ici, Esprit de Dieu, touche des vies. Esprit de Dieu, libère de vie. Esprit de Dieu, libère des âmes. Toute personne qui est sous l'emprise de Satan, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ces monstres de cancer, ces monstres de stérilité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ces monstres au niveau de la tête, maux de tête, migraines, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ces monstres de la dépression, au nom de Jésus, ces monstres de tuberculose, au nom de Jésus, ces monstres de VIH, au nom de Jésus, sors, 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 sors. Tout ce qui est à l'aise dans ton âme, tout ce qui est à l'aise dans ton corps, je prie que l'onction de Dieu commence à se manifester. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui est à l'aise, esprit de famille, esprit de famille, esprit de famille, manifestez-vous maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de famille, esprit de famille, esprit de chien, esprit d'hibou, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'infirmité qui cause la maladie, toute maladie cachée, toute maladie invisible, toute maladie qui est en toi, au nom puissant de Jésus. Maladie invisible, maladie qui est visible aussi, dans le nom de Jésus. Sors, 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 sors. Que la toute maladie écoute. La maladie a des oreilles. Parce que la maladie est une sémence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, écoutez ma voix. Sors de la bouche. Sors de la bouche. Sors. Tout ce qu'on vous a donné dès le bas âge, depuis le ventre de ta maman, dans le nom de Jésus, le jour où tu étais né, après ta naissance, toute nourriture spirituelle, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Sortez maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sortez au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je prie, il y a une personne. Vous avez levé la main, mais vous avez un problème. Pendant que j'ai prié, ça chauffe dans votre tête. Vous avez, c'est comme une chaleur au niveau de la tête. Ça chauffe au niveau de la tête. Manifestez-vous, je dois prier pour vous. Et certains d'entre vous, ça chauffe au niveau du bas-ventre. Mais je m'adresse à une personne qui chauffe. Hein. Vous sentez la chaleur au niveau de la tête. Élevez la main, je dois vous voir. Au nom de Jésus-Christ. Mauvaise sémence. Mauvaise sémence. Au niveau de la tête. Mauvaise sémence qui est cachée en toi. Dans les bas-ventres. Dans tes genoux. Au nom de Jésus-Christ. Dans tes pieds. Dans les dos. Les douleurs au niveau des dos. Les douleurs au niveau de la nuque. Les douleurs, sortez par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous libère par sa puissance. Que l'onction de Dieu vous touche maintenant, 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 maintenant. Tu vois qu'il y a des douleurs au niveau des dos. Je libère le feu de Dieu. Je libère le feu de Dieu. Je libère le feu de Dieu. Fire! Fire! Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit. Il y a une femme, vous avez un problème des yeux. Souvent, vous avez des douleurs. Vous avez des douleurs intenses ici. Regardez-moi. Ici, dans ce côté, il y a des douleurs. Vous avez un problème des yeux. Mettez vos mains là où j'ai posé mes mains. Il y a une femme qui est connectée. Vous avez des problèmes au niveau de vos yeux. Au nom de Jésus-Christ. Vous ne voyez pas du tout bien. Mais souvent, vous avez des douleurs ici. Ici, dans ce côté. Dans ces deux côtés. Hein, dans ces deux côtés. Tout près des yeux. Au nom de Jésus-Christ, reçois votre guérison. Soyez guéri. Je libère la guérison maintenant. La guérison, la guérison, la guérison. Que la guérison de Dieu pénètre vos yeux, pénètre vos cerveaux, pénètre vos nerfs au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, je libère la guérison. Vous qui êtes malade, dans le nom puissant de Jésus-Christ, à toutes les personnes qui sont malades, mettez-vous debout. Parce que l'onction de Dieu est en train de vous toucher. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous debout, ne soyez pas assis. Mettez-vous debout, Rissati Ataka. Mettez-vous debout. Plus tu te mets debout, c'est que Dieu te guérisse aussi. Mettez-vous debout au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous debout avec foi. Mettez-vous debout avec foi. Même si
tu n'arrivais pas à te mettre debout. Ayez foi, que l'onction de Dieu te relève. Tu es relevé. Je condamne les douleurs. Et les malades seront guéris. Recevez la guérison de Dieu. Moïse avait élevé la main pour fondre la mer. Je lève aussi ma main tant qu'homme de Dieu, tant que serviteur de Dieu, pour fondre, pour briser cette maladie, pour neutraliser cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Que la puissance de Dieu pénètre ton corps pour chasser ces démons. Il y a nos bien-aimés qui vont glorifier le nom de Dieu par rapport à ce que Dieu a fait, parce qu'aujourd'hui, c'est un culte puissant. Alors, Dieu s'est manifesté dans la vie de nos bien-aimés qui vont témoigner, qui vont honorer le Seigneur par rapport à sa parole. Amen. Alors, je vais donner la parole à mon frère Blaise qui va témoigner par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. Il va commencer par se présenter. Dites-nous le nom, le pays où vous nous suivez, les problèmes que vous avez eu avant et ce que Dieu a fait dans votre vie. Je vous donne la parole, mon frère Blaise. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je glorifie le Seigneur, n'est-ce pas, pour ce qu'il fait pour nous en ce jour. En fait, le témoignage, c'est pas moi, en fait. Je suis en train de prier avec les enfants. Amen. Donc, il a désiré, quand on a dit de prier. Amen. Bonjour, Désiré. De commencer à prier, il a commencé à prier, de mettre les mains sur les... Donc, quand le pasteur a dit que ceux qui ont mal à la tête... Alors, sa tête a chauffé, il était content, maintenant il se sent mieux, il est bien et il dit merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci Jésus parce que il a guéri Désiré. Que le Seigneur te bénisse Désiré et merci beaucoup frère Blaise. Que Dieu vous bénisse également. Je donne la parole à notre sœur Marie-Ange. À vous l'antenne, ma sœur Marie-Ange, pour témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie, dans ce culte puissant. À vous amen, la parole, amen. Ma sœur. Shalom, shalom tout le monde. Je suis la sœur Marie-Ange de la France de Paris. Amen. Maintenant, comme dit le frère Mario, je suis une star, tout le monde me connaît. Hein? Une star dans le Seigneur. Dans le Seigneur, amen. Alors, je vais juste témoigner parce que quand le frère Marie a demandé qui c'est qui était malade, j'ai pas levé la main parce que on a tous des maladies cachées, mais je me sens bien, je suis en pleine forme. Mais quand il a commencé à intercéder, j'ai senti vous voyez, j'ai pas de lunettes parce que j'ai enlevé les lunettes parce que je sentais que ça piquait dans les yeux, que ça grattait, ça piquait. Et après, quand il a dit, moi j'ai rien vu, je sais pas qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'on ressentait dans les yeux. Mais moi, c'est les yeux. C'est les yeux. J'avais la chaleur dans la tête et c'est les yeux. Ça démangeait, ça grattait, ça démangeait. Jusqu'à maintenant, ça continue un petit peu. Mais là, quand je fermais les yeux, là, je voyais tout noir. Mais là, quand il a dit ça, je grattais les yeux. Je sens tout cette partie-là dans les yeux-là. Parce que je reçois des attaques dans les yeux. Hein. Je reçois des piqûres, je reçois des trucs dans les yeux. Mais quand il a dit ça, et quand j'ai commencé ça grattait, ben je voyais tout rouge. C'était rouge, comme si c'était le sang du Christ dans l'œil. Alors moi, je voulais témoigner de la grâce de Dieu, mais je pense que ça continue parce que ça continue à travailler. Je dis merci Dieu Seigneur. Dieu est en train de continuer à agir. Oui, amen. Oui. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur. Je remercie Réma Web que le travail continue, ce qu'on a commencé pendant les 21 jours d'Alpha, ça continue toujours. Amen. Et je dis merci, la prière continue et Dieu continue d'agir. Merci amen. Seigneur. Amen, oui. Amen, amen. Merci beaucoup.
Même si vous n'avez pas encore senti, sachez que la semence, la prière est en train d'agir dans votre vie. Amen. Ce n'est pas encore fini, parce que Dieu est en train d'agir encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, notre sœur Marie-Ange. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vais donner la parole à notre sœur Damaris depuis les États-Unis, qui a vu aussi la main de Dieu, qui veut témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. À vous l'antenne, ma sœur Damaris. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Oui. Oui, excusez-moi, je viens de rentrer du travail, vous savez, travail la nuit. Donc, je viens témoigner, j'ai deux témoignages au fait. Amen. Et, bref, j'ai toujours, Dieu fait des miracles dans ma vie, chaque, depuis un bon bout de temps, depuis que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, Dieu, il voit que les miracles, la main de Dieu dans ma vie. Amen. Donc, oh, la batterie va me lâcher, donnez-moi une minute. Ok, bon, le premier témoignage que je dois faire, que je... plus grand témoignage que je dois faire. Je vais le faire d'ici la semaine prochaine. Amen. Mais le témoignage que j'ai à présent, c'est quand je suis rentré du travail, depuis hier, j'avais les migraines, j'avais les violents, comme les nerfs. Oui, j'étais très, très fatigué. J'avais les douleurs au niveau du cou et la tête. Donc, je suis rentré là quand l'homme de Dieu a demandé de mettre la main au niveau du cou, la tête, ceux qui ont les migraines, tout, tout. J'ai mis la main là, vraiment, je ne ressens plus rien, je ne ressens plus aucune douleur. Aucune douleur, je ne ressens plus aucune douleur. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez bien bouger la tête? Est-ce que vous pouvez bien bouger la tête? Est-ce que vous pouvez bien bouger? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, Dieu est puissant. Dieu est merveilleux, Dieu est vraiment merveilleux. Et tout puissant. Dans l'œuvre du Seigneur, parce amen. Que vraiment, ce qu'il fait est énorme. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup, ma sœur Damaris. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié, parce que c'est lui qui est toujours fidèle. Il est le Tout-Puissant. C'est pourquoi ce culte est puissant. Parce que nous sommes en train de vivre la puissance de Dieu ici dans Rema Web. Alors, vous qui n'êtes pas encore connectés, restez branchés parce qu'il y a la puissance de Dieu dans ce ministère. Dieu est en train d'agir et il va encore faire aussi dans ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous poursuivons notre programme d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je pense que, est-ce qu'il y a encore une autre personne? Et alors, pour des personnes qui sont connectées depuis nos plateformes YouTube et Facebook, vous avez aussi la possibilité de nous envoyer vos témoignages, votre témoignage à travers notre WhatsApp. Envoyé par l'audio ou par vidéo, minimum 5 minutes pour témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie pendant ces programmes ou aussi au préalable. Vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignages parce que notre Dieu aime la gloire. Il faut élever le nom de Jésus, glorifier ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez tout pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chambre de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.